Salut les Zico, ici Franck Medrano. Aujourd'hui, gros challenge proposé par Lucas, un de mes abonnés. D'ailleurs, je te salue Lucas, merci pour ce challenge, c'est vraiment un. Ça va être chaud. Aujourd'hui, les gens, ça va être chaud. Il me propose d'apprendre ça, là, il m'a envoyé un commentaire. Ouais, Franck, je te mets au défi d'apprendre ça. Donc, Lucas, défi accepté. Et donc, si j'arrive, je sais pas ce que je gagne, mais si je gagne, que j'apprends deux super morceaux, ça m'a vachement plu. Voilà, deux morceaux à apprendre. Je les apprends direct dans cette vidéo. Je vais pas faire trop de trucage pour vous montrer comment j'apprends le morceau. Il y a aucun trucage, hein, c'est pas du bluff, hein, c'est vraiment comme ça que j'apprends mes morceaux. Donc c'est parti, je vous propose d'écouter cette suite de morceaux. C'est vraiment super, vous allez voir, vous allez kiffer. Et donc ça se joue à la flûte traversière. Voilà, un super groupe. Là, ça s'appelle. Le groupe s'appelle Force Moon. Attention mon accent anglais. Et le titre, c'est Celestia. Donc ils ont fait un super clip, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. C'est parti, je vous fais écouter ça, je vais augmenter un peu le son. Enchaînement de bâtard. C'est vraiment génial, hein.
Olé. Bon, bah, c'est parti, les gens. Ça va être chaud. Le premier, je pense, ça va aller. Le deuxième a l'air vraiment chaud. Donc, c'est parti, on va l'apprendre. Petit échauffement Donc, cette vidéo peut être assez longue. Je sais même pas combien de temps elle va durer. J'espère juste que tous mes instruments d'enregistrement vont pas me lâcher en plein enregistrement. Que la caméra ça va aller aussi, le zoom aussi. Donc c'est parti. Toujours avant de. Je dis toujours avant les vidéos challenge comme ça. Avant d'apprendre des morceaux, toujours écouter 4-5 fois toute la suite. Pour s'imprégner de la musique, faut l'avoir dans l'oreille. Quand on l'a dans l'oreille, c'est beaucoup plus facile. Donc moi je l'ai écouté plein de fois, même si ça faisait un moment que j'avais pas écouté, et là je la réécoute, ça me permet de justement d'avoir réécouté 4 minutes comme ça le morceau original. Donc c'est parti. J'apprends les morceaux. Bon, peut-être les variantes, peut-être les petits trucs de début, ça s'apprend rapidement, j'apprends, mais sinon c'est pas. Moi c'est surtout les morceaux que je vais apprendre quoi. C'est parti. Faut qu'on entende aussi par-dessus. C'est chaud quand même. J'essaie de choper déjà les quelques notes qui sont jouées, la tonalité un peu du morceau, parce que c'est vrai que là il y a beaucoup de notes, hein, comme vous pouvez l'entendre. Donc là j'ai tâté un peu le terrain, je l'ai fait passer une fois entièrement, là je vais remettre en arrière parce que faut essayer de choper un peu mieux quoi. Alors. Donc l'arrangement au début, j'ai chopé rapidement, c'est un truc tout simple, dans les aigus comme ça. Voilà, ça c'était assez facile. Maintenant, on va se concentrer sur le morceau. Premier morceau. Ça commence ça. Il y a un petit passage, ça c'est vraiment chaud, je sais pas ce qu'ils font. C'est vraiment le truc, tu sais pas ce qu'ils font quoi, c'est vraiment énervant. Ça va être chaud, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être chaud. Putain, merde. Voilà, au début. Thank you.
voilà, vous voyez, là, je suis confronté à un petit souci. C'est que à la flûte traversière, on n'a pas cette note pour aller dans les graves. Je sais que là, on peut entendre le violon et l'accordéon diatonique faire une note assez grave. Donc nous, le subterfuge, comme on ne peut pas aller encore plus grave que ça, on va devoir remplacer par la même note qui joue dans les graves, mais à une octave un peu plus haute. On est obligé, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Enfoiré de violoniste, on peut pas faire la même chose que vous. Alors du coup, on va reprendre. Ainsi, faut le reprendre. Excusez-moi, petite coupure parce que mon appareil photo a décidé d'arrêter la vidéo. Donc c'est reparti. On était au moment où il fallait choper ce qu'il faisait dans les graves, vous savez. Et en fait, j'ai repéré que d'abord il fait un fa et un mi. Voilà. Il fait un fa et un mi. Et après, effectivement, il fait un si. Ça fait. Et après, je sais pas ce qu'il fait. Faut reprendre. Et je l'ai presque, hein. Ouais, je l'ai presque. J'ai chopé le truc, mais ouais, en fait, si vous êtes flûtiste et que vous voulez apprendre ce morceau, c'est compliqué parce qu'il y a des passages dans les graves, faut un peu transposer. Si vous faites de l'accordéon diatonique ou du violon, ça passe nickel, hein. On entend bien, de toute façon, ils arrivent à faire dans les graves. Donc voilà, ça c'est un sacré challenge. Merci Lucas, c'est la merde. Allez, on reprend ça. L'enchaînement, on verra après. Allez les gens, là je me suis décidé à apprendre le petit truc chelou qu'ils font là. C'est parti, je remets en arrière jusqu'à ce que je le chope. Et globalement, j'aurais compris l'intégralité du morceau à une note près. Peut-être que je me trompe, mais c'est ça. Tlingadingadida, sans on va essayer de choper ça.
que c'est ça, hein, c'est mi, mi, ré, mi, 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 ré, mi, ré, mi, et après il y a un fa. On va remettre pour voir si c'est ça, mais je pense que c'est ça. Ouais. Et j'ai oublié le début. C'est vraiment un casse-tête. Ouais, là le challenge, ça vaut le coup de faire un challenge parce que celui-là il est chaud. Ah non! Je me suis trompé. Là, c'était pas exactement un si la, je crois que c'était la sol, c'est un peu plus grave. Donc là, vous voyez, tout de suite, on se rend compte que c'est pas ça. Tac, 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 tac. Ah, mais c'est plus grave que ça. Je sais pas ce qu'il fait. Je suis désolé, hein. La vidéo va être très très longue, je pense. Allez, dernier essai. Ah, c'est ça. C'est ça, mais à chaque fois quand je joue avec eux, ça colle pas. C'est ça, faut jouer avec eux après pour voir si ça colle. Bon, j'essaie de jouer avec eux pour voir si c'est ça. C'est bon les gars. J'ai galéré. Bah là j'ai je sais pas, j'ai pris un quart d'heure je crois à prendre le morceau, même plus. Petite pause quand même. Petite pause. Voilà, donc premier morceau appris, mais bon je crois que c'était le plus facile. Je vais voir ce que je vais faire si je coupe cette vidéo, j'ai appris le premier morceau et je dis bah suite du challenge, j'apprends le deuxième morceau pour que ça fasse plus court pour vous parce que sinon ça fera au moins 40 minutes de vidéo, ce sera assez long. Donc quoi qu'il en soit là je prends une pause. Merci d'avoir regardé jusque-là déjà. Déjà, Lucas, je sais pas ce qui se passe là. Ça me plaît vraiment le morceau. Ça me plaît beaucoup ton challenge. Donc, n'hésite pas hein, si jamais t'as envie de. Je te fais deux cours gratuits là, je pense. Deux cours gratuits sur Skype, tu me contactes. Je crois que tu voulais apprendre un de mes morceaux que j'ai inventé. Donc, n'hésite pas à me contacter par mail.
Je te mets l'adresse là, coursmedrano.coursesurskype@gmail.com. N'hésite pas à me contacter à cette adresse. Je te fais sans problème deux cours gratos. C'est vraiment une superbe suite. Hein. Je vais m'éclater, je veux ça. Donc voilà, là je vais faire une petite coupure. On passe au deuxième morceau maintenant. Donc si je coupe la vidéo, n'hésitez pas à remettre. Il y a la deuxième partie du challenge. Allez, à toutes!